Et encore merci à notre caméraman Ronelson et qui a fait un bon travail pour nous à chaque fois que nous sommes là pour nous faire l'émission Rituel et Prière. Et encore on a dit un autre merci avec staff. Nous avons parlé de staff là. Nous avons compris que nous allons parler de direction et direction de concernant Chanel, direction Chanel, radio, télé, cause Vodou. Et qui est notre directeur Fidèle Pharisien et aussi que le maestro Donley et Rémi Blé qui est toujours là avec nous, qui est toujours là avec nous en tant que partenaire à chaque fois que nous, parfois qui donner des conseils pour nous et lorsque l'émission va commencer. Et sans plus tarder que nous avons entré dans le 67e génie qui c'est Ariel qui c'est A-Y-A-E-L, du Hôtel Mondial. Et qui c'est 67e génie hein. Et caractéristique lui, il symbolise la compréhension, il symbolise le confort et ils sont anges qui a accordé beaucoup, ils sont génies, soit anges qui a accordé beaucoup de sagesse et à monde qui peut-être qui prend naissance à partir du 19 au 23 février. Mais on ça tout lié en rapport avec samedi et est capable de dire dimanche cap vêtu mais et dimanche qui est pour vêtu mais et n'importe monde qui cap qui a volonté ou qui voulait adresser. Je n'ai ça, on ça qui c'est Ariel, certes, je pense qu'on va trouver de bonnes choses. Parce que nous, et moi-même qui en tant que serviteur ou animateur et mission et rituel et prière, certes, génie que nous portons pour vous, c'est des génies positifs qui là pour permettre de retrouver au confort, qui là pour permettre de retrouver. Et tu es capable de dire des solutions à difficultés, problèmes que tu as traversé dans la vie. Et ça fait que tu as parlé un peu tout à l'heure concernant ces caractéristiques. Et 67e génie qui c'est Ariel, il symbolise la compréhension, il symbolise le confort et il symbolise tout. Ils sont anges gardiens et qui accordent beaucoup de sagesse. Et ils sont anges tout qui favorisent la réussite. C'est ange Ariel. Pas oublier que tout à l'heure, je t'ai dit ça. C'est important. Parce que pour moi-même, toujours, son admirateur, je parle de nos admirateurs, son monde tout qui remet l'univers. Parce que je prends un plaisir pour me garder tous les soirs étoiles. Et façon que moi, je me dis, guette, je suis là par hasard. Et par la suite, pendant ma connaissance, je m'apprends, je viens à comprendre que. Terre ça, ils sont bagailles émerveillées. Terre que nous vivons là, ils sont bagailles émerveillées. Parce que comme on peut comprendre, et chers fidèles et amis de la radio Télé-Causé Vaudou, terre là, dans le néant, l'aime pas dans le néant, c'est comme si pas un yé qui est belle. On peut mettre un table, on met un verre d'eau sous table là. Verre d'eau là qui est belle, table là qui est verre d'eau là. Mais terre là, pas un yé qui est belle. C'est un bagaille qui est dans le vide. C'est comme si que nous te capons exemple ou après son bail qui est assez clair ou te capons sachet ou marie un petit fil ou marie fil là en l'air certes sans fil là sachet dans le vide malgré ces fils là qui est belle on dit que nous ignorons que fil là pas de sachet c'est que nous on sachet dans le vide sans que nous pas maintenant d'esprit nous que on fil qui est sachet et mais c'est comme si tire là pas personne en rien qui est belle les juste dans le vide et tire la ligne ronde ou étonné tout on te comprend c'est que tu es là tu es plate. Non, pour cela, tu es là les ronde et dans le vide. Et pas oublier que galaxie Panou qui se voit la Terre, il y a plus que 2 millions sacrilés, il y a plus que 2 milliards galaxies. C'est pas Panou. Galaxie Panou il y a 9 planètes. Il y a plus que 2 milliards galaxies non, dans l'univers. Ça veut dire que il y a plus que 2 milliards galaxies, il y a plus tout de 2 milliards étoiles dans l'univers. Vous comprenez ça? Galaxie par nous, voilà, il y a environ 9 planètes là-dedans. C'est que même les astronautes, les astrophysiciens, ils sont capables, en capacité, pour fin comprendre l'univers. Mais pour cela, nous-mêmes, l'homme, nous composons de matière et d'esprit. Nous composons de matière et d'esprit. Les esprits, ils ne composent pas de corps. Ils ne composent pas de matière.
ou peut-être nous t'es capable d'un compte spirituel. Cette yo là yo au-dessus de nous toutes, yo là au-dessus de nous toutes, et yo là pour aider nous, yo là pour comprendre nous, yo là pour aider nous à exaucer volonté nous, aider nous à aller de l'avant. Et pour cela, et on phrase qui dit que les prières adressées à Dieu et à la Vierge au sein des différentes religions sont entendues par les anges car ils sont chargés de l'exécution de la volonté de Dieu. Amen. Toute prière, nous tous sanabdio, angio, et ces messagers, yon là, pour yon porter prier là, au-delà, le côté que nous-mêmes, puisque nous sommes matières, nous pas capables de vivre. Et j'aime toujours parler là, l'un ça qui c'est Aziel, il dit que je suis moi, Aziel, l'un de ces messagers des anges génies, et je profite de leur volonté et de leur connaissance. Bien entendu, il ne s'agit pas de privilège, mais de se faire de vouloir servir. Certes, Aziel missionne Lila pour servir nous. Lila pour servir nous. Et ça fait que l'hypothèse, qui est environ 360 génies sur 365 jours de l'année. Et chaque jour, il y a un rapport avec génie. Nous parlons tout à l'heure concernant 67e génie, hein, qui c'est Ariel. Caractéristique que j'aime te dire à l'heure, les symboliser la compréhension, le réconfort. Et ils sont anges qui accordent beaucoup de sagesse et sont anges qui favorisent la réussite. Et principalement, ils sont anges qui l'appellent aider nous dans un moment difficile. Et il y a deux bagages, puisque ange, 67e ange, ça, il y a toujours un rapport avec rituel, il y a de là. Et ils ont prié, une prière de connexion, une prière qu'on est capable d'adresser. Et pas oublier que la prière, ils sont bagages qui extrêmement important. Ils sont qui extrêmement capital. C'est que il y a trois façons capable de prier. Nous t'ai dit ça déjà. On capable de prier le matin. Le matin, c'est que nous t'es capable de faire avant et au lever du jour. Le matin, laisse ça. Lui permettre au relier avec des mondes surnaturels. Lui permettre tout résoudre ensemble de montagnes, de problèmes, de difficultés, de tracas dans la vie que on va nous compter à partir de midi. C'est que ça, on est capable de commencer la prière le matin. Laisse la terre calme, les esprits, j'aime être capable de dire là. Et ce qu'on appelle les fluides, ils ont bien fonctionné. Et à midi, ils permettent aussi tout, et face à des problèmes, des soucis de la vie, des difficultés, on est capable d'entrer dans le chemin de façon que personne ne peut garder un jour. Et on a une grande table et une chaise, et puis juste au chita pour prier. Et troisième lance, c'est à la fin. L'aime parle de la fin, c'est peut-être à partir de 11h, minuit du soir. Laisse ça. Au genou espace côté, personne n'est pas capable de déranger. Et toute intensité spirituelle qui a pris, est capable de briser ce qu'on appelle l'apaisanteur du sommeil. Et entre les ondes magnétiques, yo plus brillé, yo plus capable de capacité pour interagir. Nous capable de très clair avec nous. On connaît que certaines radios que nous pas capable prendre la journée, mais le soir, même si radio a été peut-être à dizaine ou peut-être des radios des vingtaines de kilomètres de haut, surtout dans bande AM, on connaît besoin de radio ça, puisque là en yo ou les énergies yo juste des plus capacité, plus moyen pour yo pour être capable de pour capable capter. Et ben pour cela il y a trois façons que on capable prier. C'est le matin, à midi. Le matin peut-être c'est concernant les difficultés, les problèmes qu'on va recevoir au cours de cette journée. À midi encore pendant une période là, laisse ça en difficulté, des problèmes passés par là ou juste sentir à bout et puis ou juste entrer dans chambre et le soir. Et j'aime toujours dire là, à chaque fois que on prier, puisque nous avons un rapport avec le rituel de là, nous avons besoin de faire un rapport avec une blouse blanche et un mouchoir bleu. Et le premier pas à faire d'abord, c'est prendre, c'est laver mon, on doit laver mon nom pour permettre des mauvaises pensées, des idées négatives, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis laissons quitter de l'eau couler dans mon. Et comme si du point de vue mystique, on va recevoir la bienséance, on va recevoir tout ça que nous avons, les rapports avec les eaux célestes. Et esprit sacré
Sophirac qui au-delà de nous qui capable prier l'eau aller côté au Dieu aller sans plus tarder n'a entré dans génie qui c'est génie qui c'est Ariel qui c'est 67e génie et caractéristique j'aime dire du nom les symboliser la compréhension les symboliser le réconfort les sont en garde qui bat en pile sagesse et les favoriser la réussite et ni permettre ou gain en pile force en pile capacité les permettre ou résoudre certains problèmes lorsque vous trouvez dans situation difficile nous pral parler réciter prière là mais pas oublier que il y a deux bails qui toujours lié c'est rituel là après rituel là c'est au cours de rituel là dans fin ou après réciter prière là et tout ça vous fait en dedans ça nous toujours parler là machine à prière qui le cercle kabbalistique qui c'est cercle kabbalistique là qui c'est cercle kabbalistique là et flèche là les sorties vers l'est qui permet de retrouver le confort l'énergie positive prière là à ange qui s'allie on dit ange Rochelle dispensateur de cadeaux royaux solaires cette croix qui annonce au berger de la terre la naissance de sauveur c'est toi qui as dit je suis dans le buisson Adam et parle de foi aussi je vis aussi j'ai vu la misère de mon peuple je suis ton peuple viens donc à ma rencontre descends vers moi prends ta place dans mon fort intérieur dans ma demeure et accorde-moi ta grâce ton essence afin que je restitue tout ce qui ne m'appartient pas et voici ego nu pour te demander de tout me redonner avec bonté et que je vive pour le bien dans ma société de dureté généralisée malgré le gigantesque et irréversible mouvement vers la spiritualité oui je restitue tout ce qui n'est pas à moi le mal et tout ce que j'ai pris aux autres hein? ouais je voulais pas les noms de bail positif ouais m'a prendre ça pour nous prier elle dit comme ça oui je restitue tout ce qui n'est pas à moi le mal et tout ce que j'ai pris aux autres m'a bail tout ça pas pour moi et m'a bail tout ça que me prêter prendre nous l'autre monde de recevoir le don de la force nécessaire pour réussir afin que je puisse reprendre le bien, la paix, le bonheur, comprendre les hommes, la nature, l'univers et ses lois, source de bonheur et de toute richesse. Viens ange Rochelle, remplis les vides que la restitution a laissé en moi, avec ta lumière évidente, celle qui fait comprendre la miséricorde du Créateur, le Père. Lumière sauve des miséricordes divines qui éloigne les soucis et apporte la paix, élévation morale et matérielle. Ça, c'est prière qu'on est capable d'adresser à cet ange qui c'est Rochelle, qui fait partie de 66e ange qui a rapport avec le rituel Lyon et le sec kabbalistique. C'est que ange ça, j'aime bien dire nous. Nous-mêmes dans Radio Télécosé Vaudou, certes, nous sommes une équipe et notre mission peut-être c'est de vous informer, c'est porter tout ça positif pour vous. Dès que ange qui est Ariel là, il a rapport avec c'est 66e et 66e ange qui a rapport avec le 67e ange qui a rapport avec le cercle kabbalistique là. Et caractéristique, on tire recherche que je fais sur Google. Recherche les symboliser la compréhension, le réconfort, les capables accorder beaucoup de sagesse, les sont anges qui favorisent aussi la réussite et les principalement les qu'on réagit lorsque ou en difficulté et Ariel les débloquer dans certaines situations désastreuses, dans certaines situations que quand on se sent tout seul est capable d'aider. Et li protège contre tout ça qui mal. Li gen rapport avec cet ange
c'est 67e et qui lié avec le sec cabalistique et le rituel yod. Et pas oublier tout un chasseur de là. Yo flèche là, non rituel yod là, où le machine à prière li s'orienté vers l'est, c'est que recevoir le confort et des énergies positives, certes, puisque on même d'expliquer tout d'expliquer ça déjà dans l'autre émission car toujours aller poursuivre leur faire rituel là où il y a deux bagages ou fait qui extrêmement important c'est un c'est vêtements qu'on va gagner en lit de couleur blanche et en foulard bleu et deux mots que à l'extérieur du sec là côté que on après au gain par la suite pour réciter prière là certes par rapport de émission précédente on capable toujours aller pour essayer ouais image parce que image était dans nous nous t'es montre qui machine à prière qui genye, qui forme li, et qui salye en dan. Et nous te dit que ou oblige toujours que bouchon ça, qui capable de s'orienter l'est parce que ou va opposer avec flèche là, et ça permet au plus que flèche à s'orienter du côté l'est, et lui permet de recevoir des énergies positives. Et c'est ça notre force à la radio Télécosé Vodo parce que nous avons plus que 175 000 monde qui suivent à travers le monde, et pas oublier que et Chanel Radio Télécosé Vodou, c'est Maman Pemba. Il y a l'autre petite entité qui est en qui c'est Pierre pour Guinée, c'est la vie et Daomi TV. Nous là, nous avons bon genre de connaissances bas et nous avons appris à nous connaître des bagages que nous avons des bagages que nous avons dit que c'était mystère ou même nous avons peur. Mais finalement, sur la radio Télécosé Vodou et sur l'autre Chanel, nous avons appris à nous connaître parce que notre mission, nous là pour nous former. Pour nous porter bon genre connaissance pour vous. Et ça fait que nous venons à émission ça, qui c'est rituel et prière. Et très souvent, à chaque fois que je suis là avec nous, je suis toujours des camarades là, monsieur Cap fait bon travail, qui c'est Ronelson. Et monsieur toujours là pour bon genre image. Et pour moi-même, qui apporte bon genre connaissance là vous. Et l'aime parler de l'équipe là, il y a notre directeur qui c'est Fidel Farizien. Qui est là tout, qui est toujours là pour partager et discuter et parler ça lorsque il est là pour des conseils. J'aime dire nous, et Jodia, et c'est deux génies qui ont voulu porter pour nous, c'est pas faute de c'est parce que bon, qu'on a pas si bien, mais et chaque émission que j'ai là, c'est environ 3 ou 4 génies qui m'ont porté. Jodia nous parler concernant deux génies qui sont premiers, qui sont le 66e, qui sont dans laquelle, c'est un ange de la connaissance du bien et du mal. Et nous te parlons tout du 67e génie hein, qui c'est Ange Avariel. Il s'est caractérisé, il symbolise la compréhension, le confort et son ange de gardien qui porte beaucoup de sagesse. Il y a un rapport avec dimanche 28 mai 2023 et dans laquelle il s'est samedi 27 mai 2023. Et deux barres qu'on peut faire pour adresser à un ça, c'est peut-être premièrement c'est le rituel Yod, faut qu'on aime et l'autre bagarre encore, c'est le sec cabalistique et qui sont un grand sec, un petit sec qui s'y construit à l'intérieur de lui-même. Il y a trois triangles avec un fer qui sont vers l'est. Parce que le rapport rituel là, c'est recevoir des énergies pures et bonheur. Et ou même que à l'intérieur sec là, certes, ou opposé avec flèche là, laisse ça au gain pour réciter prière là et à la fin ça qui est important de dire que wap Étienne baleine non c'est pas avec soufou mais plutôt avec son cloche là l'offre fait wap déshabillé avec wap blanche là et moufou abléa laisse ça adresse avec génie et toujours aller faire tes recherches et sous on capable écrire nous tout parce que nous toujours disponible et nous prêts pour nous porter l'autre petit détail qu'on pas comprendre parce que c'est ça notre force à la radio Télécosé Vodou. Et non pas moi, c'est votre serviteur Saint-Fleur Grégoire. Et nous avons Ronelson qui est avec nous dans ce studio là. Et merci beaucoup. À la prochaine pour l'autre émission. Nous pensons à la place demain pour nous venir parler de 68e, 69e jusqu'à 70e Angelin. Et moi pensez que l'important. Et Napkito, avec Moussa nous remédie, c'est deux bagages, c'est loi d'attraction qui dit que tout ce qu'on cherche de façon positive. Tout sauf chercher qui a des énergies pures là-dedans, c'est que wap recevoir le bonheur, la réussite et tant de choses qui bonnes. Et même gens que, selon parole de Saint-Marc, il dit que tout ce que vous demandez de la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu, car cela vous sera accordé. Un jour, ces messagers, même Jean Aziel qui portait ouvrage qui c'est 360.
360 génies qui gagnent à 365 jours de l'année, c'est que Lili dit que je suis le messager. C'est nous-mêmes, notre mission, c'est là, c'est pour des bonnes informations pour vous. Merci, merci beaucoup. À la prochaine.